puis avec ce que j'ai reçu comme enseignement, il y aurait 7 choses à éliminer de notre vie de tous les jours. Oui, de notre classe, mais aussi de notre vie familiale, de nos relations en général. Maintenant, je dis bien, il faudrait, parce que nul n'est parfait, et puis moi, je suis le premier à me remettre en question beaucoup là sur un paquet de trucs. Donc, allons-y avec le terme « dans la mesure du possible ». OK? Lorsque on a accès à toute l'information, là, puis on a accès à notre coffre d'outils, eh bien, il y aurait 7 éléments que le Dr. Glasser nous encourage à éliminer de la classe. Parlons justement du contexte scolaire, donc, et tant mieux si on est capable de le transférer dans notre milieu familial. Ce que Glasser nous dit, c'est que si on élimine ces 7 trucs-là, on a davantage de chances à créer des conditions gagnantes pour obtenir des relations harmonieuses. Et lui, il va nous encourager à bannir ça. Il appelle ça les 7 habitudes nocives à éliminer de notre vie, de notre quotidien. Alors, on commence par sa première recommandation, qui est d'éliminer la menace. Tout ce qui va s'approcher de la menace, il nous dit... tassez-vous de là, restez pas là-dedans, sortez du contexte de la menace. Donc, élément numéro 1, on élimine la menace. Élément numéro 2, on élimine se plaindre. À toutes les fois qu'on aurait le goût de se plaindre par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, c'est comme si on essayait de remettre la faute à autrui ou bien simplement de leur faire ressentir à quel point nous, on est tout croche. Glasser nous recommande, quand tu as le goût de te plaindre, fais-le avec quelqu'un qui est digne de confiance, qui va porter aucun jugement, mais fais-le pas face à tes élèves. L'autre élément, c'est la punition. Il va nous enseigner, Glasser, qu'il y a une grande différence entre la punition et une conséquence. La punition, pour lui, c'est à un moment donné, nous, en tant qu'adultes, qui sommes en position de pouvoir, quand on prend, mettons, le contexte d'un prof, il y a un élève dans la classe qui, en quelque part, répète un comportement, blablabla, puis à un moment donné, nous, on choque. Et là, on va le punir. Dehors! Sors! Je veux plus te voir! Copie! Pas un dictionnaire. Et là, on va utiliser le ton, le schéma corporel, le langage, et on va donner une punition. Lui, il nous dit qu'à toutes les fois qu'on choisit de punir, on défait une partie de la relation. Et il va nous encourager à créer des consignes qui vont devenir, après ça, un respect de la consigne ou un non-respect de la consigne. Donc, il va y avoir une conséquence. Si l'élève arrête de déconner, si l'élève se met au boulot, eh bien, la conséquence, c'est qu'il reste en classe puis il poursuit son œuvre. Si l'élève, on l'a prévenu, et là, on le prévient d'avance, si tu continues de choisir à taper sur la table avec ton crayon, eh bien, tu vas sortir de la classe. Maintenant, on peut aller jusqu'à « est-ce que c'est ça que tu veux? » Si l'élève nous dit oui, bien, on va l'aider, on va l'accompagner à aller à l'extérieur. Puis peut-être qu'il a vraiment besoin d'être dehors. J'embarque pas dans le contexte du pourquoi, là. Mais si l'élève nous dit non, eh bien, on lui dit à ce moment-là, il faudrait que tu changes ton comportement. Puis là, on lui donne la conséquence, puis la consigne tout de suite. Si tu choisis d'arrêter de frapper, tu demeures en classe. Si tu choisis de poursuivre, tu vas sortir de la classe. Et si l'élève poursuit, eh bien, la conséquence, qui n'est pas une punition parce que c'est su d'avance, il y a une entente qui a été faite, eh bien, à ce moment-là, le kid, il va sortir. Donc, il va nous recommander d'éviter de punir. Le docteur Glasser va aussi nous recommander d'éviter le blâme. Essayer de trouver le coupable absolument. D'essayer de trouver le fautif qui fait en sorte que je me sens tout croche. Donc, Glasser nous recommande d'éviter le blâme et il y a un auteur qui a écrit un bouquin. Plusieurs personnes ont entendu parler de cet auteur-là. C'est Thomas d'Assembourg qui a écrit le livre « Cessez d'être gentil et soyez vrai ». Et à travers ce bouquin-là, il y a un enseignement qui rejoint beaucoup
une des habitudes nocives que Glasser nous recommande d'éliminer. Et l'enseignement de M. Dassembourg, c'est, il appelle ça le fameux « tu qui tue ». Le fameux « c'est de ta faute à toi si moi je me sens mal ». C'est de ta faute à toi si en quelque part le groupe il va tout croche. Et aussitôt qu'on élimine le blâme, puis qu'on essaie de travailler au contraire dans le dialogue, dans la discussion, on arrive à créer des relations plus harmonieuses. C'est des choses que je suis le premier à avoir utilisé régulièrement, et encore aujourd'hui, ça m'arrive. La seule grosse différence, c'est qu'à force d'enseigner ça, eh bien, on n'a pas le choix, il faut que je l'applique davantage à moi. L'autre habitude nocive à éliminer, selon Glasser, c'est de critiquer. Si la critique, elle est constructive, tant mieux. Si la critique, elle est négative, elle est pour démolir, elle est pour abaisser, il va nous dire « sortez ça dehors et rapidement ». L'autre habitude, c'est le fameux harcèlement, d'être toujours, toujours derrière, les suivre à la trace, pratiquement leur insuffler qu'on n'a pas confiance en eux. On les reprend constamment, ils n'ont pas fini de s'exprimer, on leur coupe la parole. Tu sais, les élèves vont dire « il est toujours derrière mon dos ». Mais il n'y a pas juste ça, nos enfants peuvent nous le dire, nos conjoints peuvent nous en parler. Bref, éviter le harcèlement, puis bien sûr, il va tendre vers le harcèlement sexuel et le harcèlement racial et compagnie. Et la dernière recommandation de Glasser pour les habitudes nocives à éliminer, ce serait récompenser pour contrôler. Celle-là, on a besoin de faire une petite nuance. La nuance, c'est, il y a une grosse différence entre dire à un élève, si tu es gentil, si tu fais ta job, si ton travail est propre, tu vas avoir tel truc, telle nanane, tel privilège, telle récompense. Glasser, il dit que ça va juste créer des relations de « si tu me donnes quelque chose, je suis prêt à travailler ». Ça va créer un peu ce genre de relation-là. Récompenser pour contrôler, ça veut dire qu'au départ, quand tu établis un lien avec un élève, tu vas le récompenser uniquement s'il se comporte comme toi tu veux qu'il se comporte. La différence, ce serait un cadeau spontané. L'élève a fait un beau travail. Tu peux le récompenser en lui donnant une gâterie, une remarque constructive, un privilège d'avoir une période un peu plus libre. Tu récompenses l'élève, mais de façon spontanée. C'est pas pour le contrôler, c'est simplement pour le féliciter. Puis, idéalement, au départ, il n'y aura pas eu cette entente-là. Il n'y aura pas eu le fameux « si tu fais ça, voici ce qui va t'arriver ». On n'est pas obligé de toujours faire la même chose pour les récompenser. Puis une récompense, ça doit être gratuit, ça doit être spontané. Alors voilà, si, je vais le mettre ici, si jamais il est possible pendant nos interventions d'avoir accès à cette information-là, de s'entendre, puis de voir est-ce que je suis en train de me plaindre, est-ce que je suis en train de menacer, est-ce que je suis en train de blâmer, eh bien, tant mieux, parce que ça veut dire qu'on est à l'écoute, on est présent au moment présent, puis on peut continuer, et ça sera, je veux dire, ça s'en ira dans cette avenue-là. Mais si on choisit d'utiliser un autre langage pour garder des relations plus harmonieuses, eh bien, je vous dirais que j'encouragerais, moi le premier, tout le monde à aller vers des relations qui sont beaucoup moins coercitives, puis qui facilitent, dans le fond, là, les relations humaines.